Bonjour, alors là je fais une petite démo d'une perle que j'ai trouvée parmi les fichiers SAP que j'ai sur les Thomson. Il y en a eu pas mal et que Daniel Coulon ne connaît pas apparemment, parce que c'est pas sur DC Moto. Et là c'est un truc qui s'appelle Scroll avec un S, FD. Donc en fait c'est une démo de scrolling sur les Thomson. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez fluide. Alors là c'est vitesse normale, hein, 1 MHz sur Thomson. Donc on a différents scrolls, on a le 1, donc je vais mettre le 1, on a un gros scroll là qui fait tout l'écran. Donc là j'ai fait à vitesse réelle, c'est-à-dire 1 MHz, et là on va aussi chronométrer comment ça fait en divisant par 10, c'est-à-dire à 100 kHz. Alors oui, enfin, je trouve que la vitesse du scroll, enfin c'est quand même plein écran quasiment, elle est assez démente. Hein. Alors je vais modifier la vitesse de DC Moto pour le mettre à 100 kHz. Et on va essayer de calculer combien que ça fait. Alors, comme il y a deux pas déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42. Voilà, je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, il y a au moins, enfin, il y a pas loin de 80 pas, on va dire 70. Hein. Maintenant, on va chronométrer comment ça fait pour une largeur. Ah, c'est trop tard. Alors. Donc, on va passer sur 70. Hein. Donc, je vais compter à partir du S, là, le S qui se trouve là. Le S de gros, là. Je vais compter comment ça fait au niveau du chronomètre. 14 secondes. Donc ça met 14 secondes. Alors je vais voir comment ça fait. Je vais calculer le contenu du chronomètre. Comment ça fait. Hop. Donc je mets j'ai calque. Alors 14 secondes. Alors ça fait combien? Donc attention, je suis à un dixième. Donc 70. Donc ça fait 700. 700 divisé par 14. Ouais, ben on est à 50 images par seconde. Hein. On a un scrolling à 50 images par seconde sur Thomson. C'est assez étonnant. J'en reviens pas. Bon, alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Je vais remettre en vitesse normale. On va tester les autres scrolling pour voir ce que ça donne. Scroll avec réverbération. Bon, en fait, il y a un petit effet là. On verra. Moi, je trouve ça étonnant. Après, c'est peut-être pas. Donc c'est pour les futurs jeux qui peut y avoir sur Thomson. Là on a du 50 images par seconde, je pense que. Enfin c'est vrai que c'est pas pixel par pixel, mais on voit quand même que c'est assez rapide. Je pense que ça doit être en mode. Ça doit être en mode. Comment on appelle ça? Bitmap 2 en fait. Alors je vais. Ok, on va faire ça. Multiscroll. Alors là c'est assez étonnant en fait, on va voir que le multiscroll. Alors 3. C'est un peu comme. C'est pour des jeux qui ont du multiscroll en fait en horizontal. Vous avez déjà vu ce genre de jeu-là? Et bien là, ça fait exactement pareil. Ça veut dire que. Alors j'essaie de mettre à 100 vers. Bon, je vais mettre la vitesse à 100, on verra comment que ça se passe dans les faits. 100 Hz, 100 kHz. Donc on voit que c'est le pas, enfin le pas qui augmente entre chaque scroll. C'est-à-dire qu'à la première ligne là, ça se déplace ligne par ligne, enfin c'est pixel par pixel. La ligne du dessous c'est 2 pixels par 2 pixels, la ligne du dessous c'est 4 pixels par 8 pixels, et la ligne du dessous encore c'est 8 pixels par 8 pixels. Donc c'est vrai que ça donne cette impression-là, c'est pas très compliqué à faire au niveau algorithmique. Hein. On prend juste un bandeau et puis on sélectionne une partie du pixel, enfin tous les 8, tous les 4, tous les 2 ou tous les pixels et voilà. Donc c'est l'impression que ça donne. Donc voilà. Je remets à 100%. Voilà. Maintenant on va voir un autre truc. Scroll avec générateur multiplicateur. Alors on va essayer le 4.
Alors on va mettre toujours pareil à 100% là. Enfin 100 keywords, je veux dire. Voilà. Donc il y a un caractère utilisateur effectivement qui est là, qui ressemble à une barre verticale avec des trucs, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc je vais remettre en mode normal. Enfin 100%, voilà. Caractère utilisateur, bon, voilà. Alors scroll multicolore, on va voir ce que comment ça se fait là. Hop. Ouais, alors en fait le multicolore, alors je vais remettre toujours pareil à 100 keywords pour vérifier un truc. En fait ce qu'on voit là c'est que c'est juste les lignes écran qui sont qui dont la couleur est modifiée. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des on a des couleurs d'écriture d'écriture de fond sur chaque ligne et ce qui ouais, c'est exactement ça qui se passe. Il n'y a pas de en fait ça doit être du alors je sais pas si c'est soit du bitmap 16. Je sais pas si c'est du bitmap 16 ça. Bon, on va essayer de chronométrer, toujours pareil. Je vais voir si ça fait la même vitesse que tout à l'heure. Apparemment, ça a la même vitesse. Hein. Le là, je prends le là. Ouais, 14 secondes en 100 Hz, donc ça fait 1,4 secondes pour tout l'écran. Alors, comme il y a de pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est pareil, il y a le même nombre de pas. Alors bon, enfin, je trouve ça étonnant qu'on puisse avoir ce scroll-là. Enfin, j'ai du mal à croire qu'on puisse avoir des jeux avec un scrolling à cette vitesse-là sur Thomson. Hein. Ça me paraît quand même un peu probable, mais bon, c'est quand même étonnant. Voilà, on va faire quitter. Voilà, c'était la présentation de ce logiciel-là. Je ne sais pas qui l'a créé. Si Samuel, Daniel pouvaient m'éclairer là-dessus. Mais c'est quand même étonnant parce qu'on a des jeux avec un scrolling qui a quasiment la même vitesse que ce qu'il y avait sur les... On est à du 50 images par seconde, hein, quand même. C'est étonnant. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.